Alors aujourd'hui, je reçois Mathilde, comme d'habitude, mais bon. Et sur un sujet très important, peut-on apprendre à lire à un enfant autiste peu verbal? Alors, Donc. ma réponse, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer de travailler à travers l'expérience de Mathilde avec son fils Bartholomé. Et aussi, peut-être à travers d'autres expériences, hein, parce qu'on travaille un peu tous sur ce sujet-là. Donc voilà. Et ben, on va commencer donc sur peut-être les premières étapes, peut-être pour commencer. Alors déjà, je voulais quand même préciser avant toute chose que bah, moi j'ai commencé à lui apprendre à lire quand je ne savais pas qu'il était autiste. Hein, donc pour les gens qui n'auraient pas vu les autres entretiens qu'on a eus, donc voilà, mon fils a été diagnostiqué très tardivement alors qu'il est autiste sévère et que je me suis inquiétée depuis qu'il a 9 mois. Donc, mais du coup, il avait eu tout un tas de diagnostics faux. La psychose, la dysphasie, la surdité, etc. Non, je crois que j'ai fait le tour en fait. Mais comment dire? Donc, ce qui était à la fois pas bien et à la fois bien, parce que je pense que si on m'avait dit quand il avait 1 an qu'il était autiste sévère, j'aurais peut-être été plus bloquée dans ma façon de l'envisager. J'aurais peut-être mis plus de barrière mentale dans ce qu'il était capable de faire. Je sais pas. Hein, c'est... Et donc, du coup, bah, moi, étant donné que mon fils, jusqu'à 7 ans et demi, était tout un tas de trucs, mais pas autiste, bon, je me suis dit, bon, ben, je vais lui apprendre à lire comme à tout le monde. Donc, c'est une personne qui donc ne parlait pas, hein, évidemment, qui poussait beaucoup de cris. Il passait beaucoup de temps à faire des cris, il interagissait très peu avec nous, enfin vraiment très peu, bah beaucoup de colère, beaucoup. Mais en fait, j'avais remarqué, en l'observant dans le quotidien, que tout ce qui était écrit, ça semblait fonctionner. Par exemple, il arrivait à allumer l'ordinateur et à chercher tout seul ses épisodes de oui-oui quand il avait 3 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'il arrivait à aller à allumer l'ordinateur, ensuite à aller sur Firefox, ensuite à aller sur le moteur de recherche, ensuite à taper oui, ça il le tapait, et ensuite dans la liste des épisodes, il repérait l'épisode qui lui plaisait. Donc moi, en voyant ça, je me suis dit, bah, c'est que il y a quelque chose, même s'il parle pas, même s'il n'est pas dans l'interaction, il y a quand même quelque chose qui est câblé pour qu'il puisse réussir à lire à un moment. Et je me suis dit, ben, peut-être que ça va l'aider à parler, en fait. Donc, ben, la première chose que j'ai faite, quand même, c'était d'essayer de lui présenter des livres. Et bon, ben, voilà, il est aussi hyperactif, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou n'auraient pas la joie de le connaître. Et bon, du coup, ce n'était pas très, très évident. Donc, j'avais acheté des livres avec des choses qui l'intéressaient, telles que son fameux oui-oui. Et du coup, bah, je me mettais avec lui dans les escaliers et j'avais vraiment une posture contenante comme ça, où je me mettais assise en tailleur autour de lui pour le contenir. Quelle mère indigne! Et comme il pointait pas, évidemment, évidemment, moi j'avais remarqué hein, qu'il pointait pas. C'est ça, quand il avait 9 mois, je me suis dit il est autiste parce qu'il faisait pas ça, mais bon. Quand je l'ai dit à mon médecin généraliste, j'ai eu droit à les bonnes femmes s'inquiètent tout le temps. J'ai changé de médecin entre-temps. Ouais. Et comme il pointait pas, ben je prenais sa petite mimine, je la pliais et je lui faisais pointer comme ça. Et je lui montrais tous les personnages en disant les noms. Et alors lui, il était comme ça. Il regardait pas du tout. Donc du coup, lui, il était comme ça et puis il faisait des bruits. Alors à cette époque-là, ces bruits, c'était toute la journée. Il faisait ça en faisant du flapping et en courant dans tout l'appartement toute la journée. C'était ses activités, en fait. Pardon, vas-y. Du coup, en fait, Ouais, vas-y. ce qui était intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, en faisant ça, il a quand même compris que
ce qui était écrit sur le livre et ce qu'il voyait sur l'ordinateur, ça rentrait en contact. Et à un moment donné, il a réussi à nous dire les noms des personnages. Bon, alors, nous, il devait avoir peut-être 6 ans. Et on était tellement émerveillés parce que, pour ceux qui connaissent, oui, il y a Mademoiselle Chatounette. Et il avait dit « Matatoudounette !» Et nous, on était là « Oh, un miracle !» Parce que notre gosse de 6 ans avait réussi à dire « Matatoudounette !» Donc, il avait montré un jour, voilà, ça a marché, en fait. Il a montré de lui-même les personnages en disant « Oui, Matatoudounette Potiron !» Et puis, je sais plus. Enfin, bref. C'est surtout Matatoudounette qui nous avait marqué. Et du coup, alors, il s'est pas intéressé au livre du jour au lendemain, mais il a compris que l'écrit pouvait être oralisé et que ça correspondait à quelque chose. Entre-temps, il avait eu une fascination pour les panneaux du code de la route. Et du coup, j'étais allée dans une auto-école, lui acheter un livre de code. Et en fait, ça, je m'étais rendu compte qu'il arrivait à. Voilà, les panneaux avec ce qu'il y avait écrit en dessous, pour lui, ça faisait du sens en fait. Donc il avait découpé des panneaux, il en avait mis dans toute la maison, dans tout notre patelin, enfin bref. Donc je lui ai acheté un deuxième livre de code. Bref. Mais du coup, tout ça, c'était quand même des indices pour moi qui me disaient, il est capable de faire le rapport entre une chose visuelle et un concept. Je pensais pas forcément à quelque chose d'oralisé, tu vois, mais de se dire, voilà, là, la chose visuelle correspond à un concept intellectuel. C'est drôle de dire ça pour un mioche de 5 ans qui passait son temps à faire ti, 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 mais quand même. Bon. Donc, à partir de là, moi, j'étais vraiment acharnée pour qu'il lise parce que je m'étais dit que ça serait une entrée pour lui dans le langage. Et en fait, j'avais un peu raison. Parce que je me rendais compte aussi qu'il essayait de répéter ce qu'on disait et que ça n'avait aucun sens. Il mettait tous les sons dans un ordre complètement abracadabrant, ça ne marchait pas. Et je me disais que s'il avait les mots écrits, ça l'aiderait sûrement à oraliser d'une façon plus efficace. Et en fait, c'est vraiment ce qui s'est produit. Donc, franchement, j'encourage tous les parents d'enfants qui ont peu de langage à essayer quand même de faire ça. Et je ne dis pas que ça va marcher pour tous. Mais moi, ça m'a pris 3 ans hein, pour qu'il soit vraiment lecteur. Et je le faisais travailler tous les jours. Je ne me suis jamais découragée. Je le faisais travailler en tout lieu et toutes circonstances. Dès qu'on avait un moment dans une salle d'attente ou quoi, bah, je le faisais travailler. Et bon, jusqu'à ce que. C'est pas de la maltraitance, hein, je précise. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors, tu voulais me poser une question peut-être? Parce que. Non, je vais juste reprendre un peu ce que tu as dit, si ça ne te gêne pas, pour expliquer, pour résumer, si ça ne te dérange pas. Non, mais je vais bouder si jamais tu dis que j'ai dit faux. Regarde, j'ai ma tasse de Star Trek. Ouais. Je monte pas ma tasse parce qu'elle ne m'appartient pas, il y a marqué Star Wars dessus, j'ai jamais regardé un épisode de Star Wars. Montre-la quand même, hérétique. Quelque chose comme ça, Ah, mais oui. je Regardez-moi, il y a Spock. C'est un crois. très cher ami qui me l'a offerte. Oui, je voulais. Oui, alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. Donc, déjà, effectivement, c'est bien de travailler l'attention conjointe hein, que tu as réussi à avoir. Alors, peut-être des fois au départ par contenance, mais effectivement, c'est intéressant. Faire aussi un peu. Ce qu'on appelle un peu l'apprentissage sans erreur, c'est-à-dire qu'on va pointer pour lui qui c'est, c'est-à-dire qu'on va lui donner les indices, hein, on ne va pas attendre au départ qu'il trouve qui c'est Matatoutounette, mais qu'on va lui montrer qui c'est et avec la bonne énonciation. Et il y a un truc aussi, c'est qu'effectivement, donc dans le cas de Bartholomé, et on retrouve ça dans l'autisme, mais pas toujours, hein, il y avait un intérêt pour les lettres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui ont un intérêt pour les lettres et d'autres qui n'en ont pas, hein, faut le dire aussi. Hein, ça peut arriver qu'ils n'en ont pas. Et là, c'est plus dur déjà d'aller. Mais partir de l'intérêt restreint, hein, c'est ce que tu. Enfin, l'intérêt spécifique, évitons d'avoir 200 commentaires. De l'intérêt spécifique des personnes autistes pour pouvoir aller vers de l'apprentissage, c'est quand même intéressant parce que ça va permettre que ça soit encourageant, plaisant pour lui. Voilà, c'est tout.
Oui, c'est vrai que moi, du coup, à cette époque, j'avais aucune idée d'attention conjointe et d'apprentissage sans erreur. Non, Mais par... Non, mais c'est parce que je l'ai fait intuitivement, en fait. Et c'est vrai que, du coup, je montrais pour lui et je disais, et à chaque fois, je disais, oh, très bien! Dès qu'il regardait, alors que dans ma tête, j'étais désespérée. Hein. Mais oui, je me suis jamais montré ce profond désespoir que j'avais. Ah, eh bien, puisque tu en parles aussi, oui, le renforcer. Alors, on n'est pas obligé d'être un fan d'ABA, mais simplement encourager en disant oh, très bien, hein, bah, c'est important. Et puis, ça permet aussi à ce que l'enfant, parce que chez les enfants autistes, ce n'est pas toujours acquis au départ, est le renforçateur social, c'est-à-dire qu'ils apprécient qu'on les encourage, ce qui n'est pas évident au départ. Oui, au début, Hein. on secouait. Mais maintenant, il s'applaudit tout seul quand on fait des maths. Voilà. Donc, oui, pour les personnes qui ne le connaissent pas, donc ce brave garnement, là, il s'est applaudi toute la semaine dernière en mettant des grands nombres en écriture scientifique. Donc, voilà. Donc, il s'applaudit, il flappe, il crie. Quand les fenêtres sont ouvertes, il y a des gens qui se retournent en se disant, on voit qu'ils se disent. Mon Dieu, quel est ce déficient mental? Mais en fait, le déficient mental est en train de faire des calculs qu'eux sont incapables de faire. Voilà. Attention, encore une fois, je ne dis pas du tout du mal des personnes déficientes intellectuelles. Au contraire, voilà. Voilà. Juste, il en a l'apparence, mais c'est pas vrai. Alors voilà, ce qu'il faut aussi, ouais, c'est intéressant hein, puisqu'on en parle, la déficience intellectuelle dans l'autisme est souvent posée par défaut parce qu'il n'y a pas de test, parce que la plupart des personnes autistes n'arriveraient pas à passer un test dans le sens, ça demande une attention conjointe, etc. Après, il ne faut pas non plus, moi, enfin notre avis, je pense que c'est le même, c'est que le test de QI, c'est pas non plus voilà, très important finalement. Moi, je prends des enfants autistes que j'ai, même s'ils avaient 130 de QI, ça ne changerait rien à leur quotidien, hein, faut dire Non. aussi la vérité. Mais par contre, ce qui est important, c'est rappeler qu'aussi que le langage expressif chez certains enfants autistes peut être largement moindre que le langage réceptif. C'est-à-dire qu'ils peuvent beaucoup plus comprendre qu'ils ne peuvent s'exprimer. Hein. Donc il faut pas forcément se fonder sur ce qu'on voit en termes de comportement pour préjuger de ce qu'il peut comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on continue nos Voilà. extraordinaires. Donc, ensuite, il avait compris ce que c'était que les livres et que leur intérêt était autre que de les découper, les déchirer et les manger. Que bon, ça, voilà, moi je fais partie des enseignants qui un jour ont dû rendre une copie toute mâchonnée à un élève en disant, désolé, mon fils l'a mangé. Ça existe vraiment, ce n'est pas une légende, non. Voilà, normalement, c'est les élèves qui disent que les chiens ont mangé leurs devoirs. Moi, mon fils avait bouffé une copie d'élève. Désolé pour ça. Et voilà, il y avait eu cette chose-là. Entre-temps, je savais qu'il était autiste, et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de lui apprendre à lire d'une façon un peu plus systématique. Alors, déjà, il fallait le mettre à la table de travail. Et ça, il voulait pas. Il voulait pas, lui. Hein. Lui, ce qu'il voulait, c'était courir partout en faisant ti, ti, ti et du flapping. Hein. Ça l'intéressait pas. Pas du tout plus que ça. Alors, déjà, pour l'amener à la table de travail, il adorait les bougies. Et il aurait adoré les souffler, mais il savait pas. Ça fait pas longtemps qu'il sait. Donc, ce que je faisais tout un petit chemin avec des bougies. Et je les éteignais au fur et à mesure et ça l'attirait jusqu'à la table de travail. Qu'est-ce que j'étais sournoise. Et sur la table, ben, j'avais laissé une bougie et je la rallumais entre chaque exercice. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Alors je vous dis tout de suite qu'au début, j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché, mais je pense quand même que ça peut servir. Parce que j'ai tout inventé au fur et à mesure. Il faut savoir que voilà, même si on a eu un diagnostic à un moment, en fait au début, on avait un pré-diagnostic du centre ressources autisme. Donc on savait qu'il était autiste sans avoir le diagnostic précis. Donc ça, c'était quand il avait 6 ans. Et du coup, ben, en fait, on n'avait rien. Donc on n'avait rien. On allait voir une orthophoniste pas formée. Et puis c'est tout. C'était un peu le désespoir. Donc je me suis débrouillée un peu seule. Donc ce que j'ai fait au début, je faisais des étiquettes
Alors, par exemple, la première que j'avais faite, je vous fais là sur. Hop, je le fais en même temps. Hop. Hop. J'aurais pu le préparer avant, mais j'étais occupée à faire le ménage. Quelle bonne mère de famille. Voilà. Alors le premier truc que j'avais fait, c'était des petites étiquettes en papier que j'avais fait moi-même. On voit. Oui. Donc j'avais fait deux trucs qui ne se ressemblaient pas. Bah, j'avais mieux dessiné que ça. Hein. Mais donc j'avais fait une maison, un chat, et en dessous, maison et chat. Et il fallait qu'ils les mettent ensemble. Qu'ils les... Donc c'était des étiquettes séparées. Bon alors ça, laissez-moi vous dire que... Ça n'a pas eu de succès, hein. C'est-à-dire qu'il ne comprenait pas du tout l'exercice, donc j'ai pris sa main, j'ai fait à sa place, j'ai mis les choses ensemble, et je lui disais, ouais, bravo, champion! Et alors que je me disais, mon Dieu, il n'arrive pas à faire ça. J'étais désespérée, hein. Sérieusement, j'avais vraiment fait le truc le plus simple, hein. Mais il n'arrivait pas, en fait. Bon. Mais en fait, au bout de 15 jours de faire cet exercice, ben, il a compris ce que c'était et il a commencé à mettre maison avec maison et chat avec chat. Et donc, du coup, après, j'ai fait plein d'étiquettes. Du coup, je me trimballais tout le temps avec ça, en fait. Je me trimballais avec une petite enveloppe où j'avais fait des étiquettes moi-même avec le dessin et l'écriture. Et en dessous, une autre enveloppe avec simplement l'écriture. Donc ça, il arrivait à les mettre ensemble. Par contre, il reconnaissait pas du tout les mots dans les textes écrits, même si c'était moi qui avais écrit le texte. Donc j'ai commencé à réécrire des textes complets en mettant ben, mes petits dessins au-dessus de certains pour voir s'il arriverait à remettre l'étiquette correspondante en dessous. Donc ça, il arrivait. Mais en fait, pareil, si j'enlevais le dessin, bah, il n'y avait plus rien, quoi. Ça, donc je ne sais pas si ce n'était pas une bonne méthode. Je sais, bah, après, je vais dire après ce que je pense. Donc ça, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et quand même si ça marchait que dans le cadre de l'exercice, en fait. Ça marchait que dans le cadre de l'exercice, mais quand même, ça permettait d'augmenter son vocabulaire quelque part. On n'était quand même pas en train de faire quelque chose d'inutile. Bon, et un jour... Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une intuition. J'en ai eu vraiment ras-le-bol parce que je voyais que ça n'avançait pas. Et je me suis dit, ouais, bon, on va faire un autre truc. Donc j'ai ma fidèle ardoise, je m'en sers encore pour travailler avec lui tous les jours ou presque. Donc j'ai fait, en fait, ça. Précisons que ton fils est à l'IUF, au CNED réglementé, en En troisième. quatrième, enfin troisième. En troisième, en classe adaptée. Voilà, oui, je Alors, préfère. ouais. Alors, je montre. J'ai fait ça et j'ai dit bon bah voilà, je vais lui faire apprendre par cœur toutes les syllabes qui existent. Et alors, du coup, je lui ai fait lire, je lui ai montré ça. Alors, au début, bah, il grillait rien. Bon. Après, je lui ai dit tu vas entourer. Parce que oui, au début, les lettres, en fait, il aimait bien voir des livres avec des choses qui l'intéressaient, mais les lettres, au début, il n'en avait rien à secouer. Alors après, j'ai fait des exercices comme ça. J'écrivais mieux. Hein. Hop. Et là, par exemple, entoure le A. Entoure tous les A. Mais si vous lui dites entoure tous les A, ça ne marche pas. Alors je vous montre comment il faut faire la consigne. Ça vous évitera d'être des pauvres galériens de la vie comme moi. Si vous faites tout simplement ça, la personne, enfin lui, il a compris tout de suite. Hein, vous lui montrez à entourer la lettre, et là, du coup, il allait entourer tous les A. Ça va, mes explications, ou c'est Oui, pourri? non, non, c'est bien, je t'écoute, hein, je t'écoute, Donc, du coup, j'ai fait ça avec les voyelles, parce que voilà, au début, vraiment, il ne voulait pas, quoi. Et après, je lui ai fait apprendre toutes les syllabes qui existaient. Tout simplement, hein. En faisant cet exercice à chaque fois. Donc là, du coup, par exemple, ben voilà, j'allais faire. Hop. Voilà, comme ça.
Et en fait, comme là, la consigne, elle était répétitive, bah là, il comprenait. Alors après, il a fallu associer tous les fourbis. Parce que après, il savait toutes les. Ça, du coup, j'avais vérifié. Et quand je lui montrais sur des livres, il arrivait. S'il voyait PA, il savait que ça faisait pas. Donc, alléluia. J'aurais dû commencer par ça, mais j'en ai pas eu l'idée, excusez-moi. Hein. Parce qu'en fait, vu que j'avais vu au début qu'il arrivait à lire des mots globaux, je croyais que c'était comme ça que ça allait marcher. Mais en fait, non. J'ai été abusée par mon inexpérience. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement pris des vieilles méthodes pour apprendre à lire des années 70, hein, donc style méthode Bocher. Et j'avais pris Daniel et Valérie, tu sais. J'avais appris à lire avec Daniel et Valérie, alors allons-y. Et ça, en fait, ça a très bien marché, parce qu'au début, bah, c'est tout du syllabique tout simple. Et donc au début, bah, voilà, il a commencé à réussir à lire bah, des choses toutes simples. Voilà. Et en fait, après, ben, je lui faisais une séance tout simplement avec une des méthodes de lecture tous les jours. Et ça a fini par... Et voilà, là, ce qui était important pour lui, c'est qu'il s'est vraiment rendu compte que là, il arrivait à mettre... En voyant les graphies, il arrivait à mieux prononcer les choses. Donc là, ça a déclenché vraiment des choses dans son langage. Après, il parle toujours pas normalement. Il parle toujours pas normalement, il a toujours des troubles de l'élocution, il a beaucoup de mal à répéter un mot. Par exemple, hier on se promène en forêt, comme d'habitude, et on rencontre des gens, et du coup, il demande aux gens, il y a des gens qui discutent avec nous, parce qu'on est très sympathique, et il a toujours tendance à demander aux gens comment ils s'appellent. Donc pour demander comment ils s'appellent, il montre les gens, il fait « ça c'est qui ?» Ouais, bon. Ouais, non, non. Et du coup, ben hier, par exemple, on a rencontré une personne. Je vais inventer un nom parce que des fois que la personne regarde, on ne sait jamais. Donc, on va dire que la personne s'appelait Isabelle. Mais il va pas réussir à dire Isabelle. Par contre, si je lui dis, ça s'écrit Isabelle, il capte tout de suite. Il va dire Isabelle. Il y a plein de mots comme ça, en fait. Il va nous dire ça, c'est quoi? Ou ça veut dire. Maintenant, il essaye d'enrichir son langage tout seul. Et il nous demande, en fait, comment l'épeler. Et une fois que c'est éplé, il arrive à le prononcer. Donc, je peux vraiment que encourager les gens. Parce que souvent, on se dit, il ne parle pas, donc il ne saura pas lire. Mais rien ne nous dit que c'est ça. Alors, c'est possible, hein? Franchement, c'est vachement possible. Je peux pas dire, oh, ça va marcher avec tous les enfants, vous avez qu'à faire ça, et comme moi j'ai fait, ça va marcher magiquement. Non, je peux pas dire ça, c'est ni éthique, ni honnête, ni réaliste, ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup de mettre ça dans les objectifs. Parce que souvent, quand une personne a un niveau de développement bas, comme mon gamin, eh ben, on va lui donner des objectifs de développement qui restent bas. Et je voyais à un moment, il était suivi par un CESAD et c'était toujours des objectifs vraiment en dessous de ce qu'il pouvait faire. Alors que moi, j'ai toujours mis des objectifs au-dessus de ce qu'il nous montrait. Parce que. Alors, je vais reprendre quelques. Voilà, je vais Vas-y. jargonner. Non, non, je vais pas jargonner, mais C'est c'est moi aussi qui juste pour. vais jargonner, on te connaît. Ouais, c'est pas, je fais pas exprès, mais c'est aussi parce que ça permet de résumer et c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Alors, y a pas mal de choses que je trouve intéressantes, et donc je voudrais reprendre. Enfin, je trouve tout intéressant, mais je voudrais reprendre des points. Intérêt. Ouais. Allez, vas-y. Alors, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, t'as quand même, y a quand même une évolution et donc tu as fait vraiment quelque chose de continu. Donc c'est vrai que, hein, je reprends ce que tu disais à un moment, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Hein. C'est aujourd'hui, on travaille quelque chose pour un projet tellement plus global, mais des fois on va travailler des choses qui paraissent vraiment basique, et on peut dire qu'aujourd'hui, de ces choses basiques, il fait des écritures scientifiques, hein, quand même. Donc, on voit l'évolution, mais sur le coup, bon, voilà. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est
On en parle. Alors, c'est pas moi, je fais pas la promotion de la BA, je m'en fiche complètement. Mais c'est vrai qu'il y a des principes qui me paraissent évidents. Le périn des lieux, c'est-à-dire faire que le lieu soit agréable, structuré, sans distracteur, qu'il soit agréable pour l'enfant, qu'on l'invite et que ça soit toujours des moments agréables, bah, ça va tout changer. Et moi, je vois par exemple, je pense à l'enfant dont je m'occupe. Au début, on arrivait à 10 secondes d'attention. Maintenant, je fais des toutes petites choses. Et je fais des choses agréables, qui lui plaisent, le lieu est sympa, et on arrive à 45 minutes, 50 minutes, parce que c'est toute la différence. Et donc l'amener à table, c'est déjà la première étape, et c'est bien. Et on est, une fois qu'on l'a amené à table, c'est pas la peine de lui balancer plein d'exercices longs qui vont être particulièrement peu intéressants. Et puis, ben, je trouve que ce que tu proposes, c'est intéressant. Alors, on peut faire aussi, je ne sais pas si tu as déjà fait, tu sais, on découpe une image, je ne sais pas, moi, par exemple, un chat. Et puis, en fait, il y a le C, le H, le A, le T, et puis on les rejoint. Ou alors des syllabes, on peut découper par syllabes et les faire coller sur des velcro. Enfin, voilà, il y a vous. Oui. D'ailleurs, dans la description, on pourrait mettre aussi, parce qu'après j'utilisais un petit site qui doit toujours exister, qui s'appelait Maxetum, et du coup là il y avait beaucoup d'exercices syllabiques, et du coup ça lui plaisait bien. Et un autre truc que j'ai beaucoup utilisé après, une fois qu'il savait mieux lire, pour augmenter son vocabulaire, c'est des sites de français langue étrangère. Ça, Oui. on n'y pense pas assez, mais du coup, eh ben, c'est mieux structuré que des choses d'apprentissage pour les francophones. Et voilà, ça permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire de base. Du coup, les étiquettes sont déjà faites. Voilà. Et c'est vrai que, par exemple, voilà, je m'occupe d'un enfant, on travaille en fait chaque mot. Hein, on Oui. va travailler chaque mot. Alors, il a aujourd'hui, on a commencé, enfin, moi, j'étais pas là, hein, mais ils ont commencé par peut-être 4 mots. Et aujourd'hui, on est à 500 mots qui vont de, je sais pas moi, de poignée à ascenseur. Et ce qu'il faut aussi, c'est généraliser, hein, parce qu'un chat noir et un chat blanc, finalement, qu'est-ce qui les relie pour une personne autiste, si on lui montre? Et qu'est-ce qui relie au chat qu'on voit qui vient sur nos genoux? Et voilà. Ça, il faut généraliser parce que c'est pas évident que le chat blanc, le chat noir et celui qui vient sur nos joues, c'est la même entité entre guillemets chat. Hein, et ça, c'est important aussi de travailler. Après, juste des fois pour les enfants autistes, des fois on utilise ce qu'on appelle le PECS. Donc ça, t'as pas du tout travaillé, t'as pas du tout, t'es pas du tout parti là-dedans. Peut-être à raison. Hein, moi, je. Mais ça peut être aussi l'occasion. On peut partir sur ses objets préférés. Et essayer de mettre justement le mot pour qu'à travers, par exemple, la photo avec le mot, on n'est pas obligé de faire du PEX classique, il obtienne l'objet. Et c'est vrai Oui. qu'au départ, c'est beaucoup plus simple de partir sur ce qu'il aime et de le relier à une photo, à un nom, que de partir sur quelque chose pour lequel il n'a aucun intérêt, hein, évidemment. Ça, le PECS, en fait, ben, nous, on l'a jamais utilisé parce que moi, ça me semblait tellement compliqué. Mais par contre, quand il était petit, on avait un appareil photo ben, qui n'a pas survécu à ses traitements. Hein, mais en fait, il avait trouvé tout seul à faire des photos des choses qu'il voulait. Ouais. Donc, il avait photographié du pain et il venait nous le montrer, en fait. Et du coup, nous, on s'était rendu compte qu'on avait photographié par exemple, chaque fois qu'on montait dans la voiture, c'était une crise. Mais si on lui montrait la photo de la personne chez qui on allait, il n'y avait plus de crise. Ça, c'était parmi les petits indices qu'il m'avait. Quand il était petit, il avait 3 ans. Ça m'avait fait comprendre que de passer par du visuel allait marcher. Alors, c'est peut-être un cliché, et il ne faut pas dire que toutes les personnes autistes ont une pensée visuelle, mais c'est quand même quelque chose qui peut marcher. Qui est très récurrent, qui est quand même très récurrent aussi. Hein. Je sais pas Ouais. si tu t'en. Je voudrais montrer juste un truc qu'a fait une maman et que je trouve assez sympa. Bon, je le partage souvent. Alors, est-ce que je vais y arriver? Là, je ne sais pas. Ça te dérange pas que je te le. Voilà. Par exemple, c'est ça. Alors, est-ce que ça marche? Tu vois ou pas? Rien du tout. Alors, j'ai mis démarrer partage, mais visiblement. Partager l'écran. Arrêter le partage. Super, c'est rien qui marche. Partager l'écran. Alors, est-ce que ça va marcher ce coup-là? Bon, on va laisser tomber sinon. Toi, tu vois quelque chose? Bah oui, non. Ah, ça y Voilà. est. Ça y est. Alors, c'est une maman qui a fait ça.
Et du coup, vous voyez, hein, donc tout ce qui est entouré en vert est toujours le sujet, enfin le sujet, le garçon, la fille. Tout ce, alors là, c'est des pictogrammes Macaton. Hein. Tout ce qui est le verbe, il est en rouge, hein, l'action en fait. Hein, et tout ce qui est en bleu, bah, c'est l'objet. Et finalement, ça a permis que, par exemple, bah, elle avait besoin d'expliquer un livre qui est très complexe parce que, bah, voilà. Et du coup, elle a fait ça, par exemple, pour une adaptation en lecture de Colosse, hein, qui est un livre où je sais plus, bon, bref. Et du coup, ça lui a permis à la fois de finalement de garder cette structure tout au long de, enfin, de son apprentissage. Et puis quelque part, en tout cas pour les compléments d'objets, voilà, elle pourra utiliser ça. Quel est le sujet? Ben, c'est toujours le vert. Quel est le verbe? Alors pour les verbes d'action, on est d'accord, hein, c'est toujours le rouge. Et quel est le complément d'objet? Ben, c'est toujours le bleu. Donc finalement, hein, ce qu'on fait, c'est aussi une vue à long terme. C'est aussi ce que tu montres. Hein. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Voilà, je te laisse continuer. Non, parce que oui, du coup, ça, toutes ces choses-là, après, ben oui, on a travaillé des choses comme ça après, travailler le masculin, féminin, travailler. Voilà. Voilà, mais voilà, moi, je voulais juste parler de comment lancer la machine, parce que c'est vrai que l'entrée dans la lecture et dans l'écriture, ça a quand même changé quelque chose dans sa vie, quoi. Alors après, il y a eu un moment où il écrivait tout le temps. Du coup, il écrivait, alors avec des grosses lettres bâtons bien caractéristiques des personnes autistes, hein, mais il écrivait des listes de mots et il le fait encore maintenant. Il écrit des listes de lieux, des listes de ses cadeaux de Noël, des listes des gens, des listes de ses futures incarnations, parce qu'il a toute une. Il est booké pour les 4 prochains siècles. Hein. Il a eu cette idée tout seul, puis du coup, hop là, au diable l'avarice. Donc dans sa prochaine incarnation, il sera une fille appelée Salomé. Voilà, il a eu cette idée tout seul. Je vais vous montrer son écriture actuelle. Hop là. Voici son cahier. Alors. Oh. Voilà, là, il écrit comme ça. C'est plutôt bien, hein? Il Oui. écrit mieux que moi. Oui, il écrit pas mal, oui. Donc. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que si par hasard, alors si vous n'arrivez pas, il se peut par exemple qu'on ait un enfant, un ado de 14 ans aujourd'hui avec sans écriture, hein, sans lecture, pardon, sans lecture. On peut aussi travailler, et ça c'est aussi important quand des fois on n'y arrive pas, c'est aussi travailler les objectifs fonctionnels. Donc finalement, pour l'enfant autiste de 14 ans, on peut peut-être se dire que bon voilà, la lecture c'est peut-être plus possible. Je dis pas c'est possible, mais il faut peut-être se lancer dans un truc très très long, etc., qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui. Mais par contre, lui apprendre le signe toilette et lui apprendre à lire toilette en global, alors ok, le global c'est mal, mais pour le coup, ça sera beaucoup plus fonctionnel de lui apprendre à lire toilette parce que ça va lui servir dans sa vie. Après, je ne dis pas qu'il va pas pouvoir apprendre à lire, hein. C'est pas ça du tout. C'est peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager là-dedans parce qu'avant, il faut lui apprendre des choses pour l'autonomie qui vous paraissent beaucoup plus importantes. Et je comprends, parce que nous, c'est ce qu'on fait aussi des fois. Oui, ben moi, c'est ce que je... Hein. C'est vrai que nous, ben, pour lui apprendre la propreté, c'est ça qu'on a fait en premier, hein, parce que... Mais ouais, le global, tous les exercices, ça j'ai failli oublier de le dire, tous les exercices que je faisais au début qui me semblaient inutiles, c'était du global. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'il voyait les choses par paquets comme ça. Ouais. En fait, c'était vrai, mais en même temps, il n'arrivait pas à apprendre à déchiffrer en utilisant ça. Donc, mais par contre, maintenant, il a une super bonne orthographe. Donc je pense que tout ce que j'ai fait, c'était pas du tout inadapté en fait. Parce que là, du coup, maintenant, il voit un mot, il retient l'orthographe immédiatement. Hein. Là, ben, j'étais en train de regarder son cahier, le mot syllabe, il l'écrit sans coup férir. Hein. C'est... Alors qu'il y a bien des personnes neurotypiques de 14 ans ou même de 40 qui ont du mal à l'écrire. Oui. Je dis pas, il n'y a pas de critique sur ces personnes-là, bien entendu. C'est juste pour montrer que finalement, on part de quelque chose de très basique au départ et qu'on arrive à quand même une qualité, une efficience qui est quand même beaucoup plus importante qu'on aurait pu croire au départ, même toi peut-être. Oui. Quand tu as Alors, commencé, tu pensais pas arriver à ce cahier-là à son âge. non. Hein. Là, je suis en train de regarder ce qu'on faisait en début d'année avant d'avoir. Parce que du coup, on reçoit toujours les cours du CNED en retard. Donc, l'expression écrite, on travaille toujours avec oui, hein, vous voyez. Je peux vous montrer.
raconte l'épisode de Oui-Oui. C'est parce que voilà, bien qu'il ait 16 ans, c'est toujours Oui-Oui. Et là, voilà, il écrit au début, Oui-Oui se promène dans la campagne avec sa voiture. Tout se passe bien jusqu'à ce que Oui-Oui se dispute avec sa voiture parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le chemin à prendre. Mais ça, oralement, il est incapable de le faire. Oui. Il est complètement dans l'incapacité de produire un énoncé tel que tout se passe bien jusqu'à ce que Oui-Oui se dispute avec sa voiture. Ça, même pas en rêve, il le dit. Par contre, à l'écrit, il prend le temps. Voilà, là, je vais lui dire qu'est-ce qui se passe au début. Et lui va me dire, alors, au début, Oui-Oui se promène. Je sais pas, oui, il se promène où? Dans la ville? Non, dans la campagne. Ok, il écrit. Donc chaque phrase, en fait, c'est lui qui va produire l'énoncé, puis qui va produire même la grammaticalité, mais avec quand même une aide. Hein. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Oui, tout se passe bien. Il l'écrit. Voilà. Franchement, voilà, là, au niveau la compréhension écrite, franchement, même on fait de l'espagnol, même en espagnol, la compréhension écrite, mais c'est un truc de foufou. Là, on a fait, il a fait un devoir de sciences naturelles. Mais c'était incroyable ce qu'il a été capable de faire avec de la compréhension de documents. Même moi qui suis tout le temps avec lui, des fois, parce que je vois ça, je vois le travail, je me dis, oh non, c'est pas possible, quoi, il va. Attends, je regarde si c'est là pour le montrer aux gens. Je n'ai pas trop rangé, là, c'est le début des vacances et j'ai tout laissé un peu en fourmi. Est-ce que je l'ai laissé? Ouais. Voilà. Un truc qu'il a fait, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit on va jamais y arriver. Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants. Ouh. Ouais, voilà. Génotype, phénotype. Bon, ça c'est. Phénotype est là. J'ai dit non, non. Du coup. Donc, je laisse regarder. Voilà, il a eu tout juste, il a rempli tout juste. Donc voilà. Exact. Chaque gène peut avoir plusieurs versions, c'est ce qu'on appelle les allèles. La combinaison de ces derniers détermine le génotype de chaque individu, dont l'expression visible formera le phénotype. Moi, j'avais vu le texte, je me suis dit jamais. Et ça, c'est le CNED adapté. Hein. Je me suis dit, bah oui, tu parles que c'est adapté, il n'y arrivera jamais. Et en fait, il a regardé le texte, il l'a lu, il a regardé les mots à mettre dedans, puis il les a mis en 2 minutes. Ok. C'est très intéressant. Je voulais aussi revenir sur un petit point, on aurait pu en parler, c'est l'hyperlexie, c'est-à-dire qu'il y a des enfants autistes qui... bon, non, il y a quelques non-autistes aussi, hein, mais il y a des enfants autistes qui apprennent à lire avant d'apprendre à parler. Hein. C'est quand même... et ça montre hein, effectivement que les deux sont pas forcément... Enfin, même s'il y a un rapport, hein, du coup, il parle quand même mieux depuis qu'il sait lire, mais c'est pas forcément lié. Non, c'est ouais, je pense vraiment que c'est justement important d'essayer d'apprendre à lire à un enfant qui parle pas, quoi. Enfin, c'est pour moi, je crois que ça a changé quand même énormément de choses dans sa vie. Et parce que du coup, il a quand même un univers plus étendu. Et ce qui peut être important aussi, parce qu'on a tendance aussi à ça, alors effectivement, il peut manger les livres, hein, on en a parlé à Yannick Pica, mais c'est de ne pas mettre des objets qu'en rapport dans sa chambre, qu'en rapport avec son âge de développement qu'on considère. Hein. On peut mettre des livres, même si effectivement il ne sait pas lire. Voilà. Et peut-être qu'il va les explorer. Alors peut-être qu'il va les manger aussi. Mais peut-être qu'il va les explorer et qu'on sera étonné un jour de voir qu'il en aura sorti quelque chose. Hein. Oui, C'est. mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Là, par exemple, c'était son anniversaire la semaine dernière. Il a 16 ans. Et du coup, il a eu des cadeaux en rapport avec des choses qui l'intéressent, comme Robocar Poli. Mais il a eu aussi des cadeaux de personnes de 16 ans. Parce que moi, je tiens à ce qu'il ait des choses, voilà, comme un ado ordinaire, quoi. Donc, voilà, il a eu du parfum, il a eu des habits, il a eu un portefeuille. Parce qu'il aime bien être coquet, en plus. Et il a eu des jouets de Robocar Poli, hein, mais c'est ce qui lui a fait le plus plaisir. Mais quand même, moi, j'avais envie qu'il ait des choses en rapport avec son âge chronologique aussi. Et ne vous laissez pas démoraliser par la Vineland quand on vous dit que votre enfant de 15 ans a un développement d'1 an. Oui, parce que moi, Hein. à 7 ans et demi,
Il avait un développement selon les compétences entre 6 et 18 mois. Il n'avait rien au-dessus de 18 mois. Mais franchement, j'ai décidé d'en tenir aucun compte et par l'expérience, j'ai bien fait. Parce que voilà, Voilà. il est pas rentré dans les tests et du coup, ben, ils m'ont dit qu'il avait un développement, voilà, qu'il était très, très en retard et que son développement était entre 6 et 18 mois. Ah, Mais. je vais essayer de répéter parce que je sais qu'il y a pas mal de polémiques en ce moment d'ailleurs parce que la déficience intellectuelle elle peut être présente dans l'autisme et si elle est présente il faut vraiment moi je pense que par exemple un enfant dont je m'occupe a sans doute une déficience intellectuelle même si j'en ai pas la preuve évidente hein, c'est pas le problème hein. Je veux dire c'est très bien c'est voilà il y a aussi un article qui m'avait particulièrement intéressé c'était je crois Delorme qui l'évoquait en fait il disait qu'il y avait des parents. On leur avait appris qu'en fait, bah, il y avait, bon, c'est pas Chang 3, mais enfin, c'était quelque chose comme ça. Et du coup, les parents disent, ah bah, si on avait su, on n'aurait pas autant travaillé. Et j'avais trouvé ça très intéressant parce que finalement, il y avait une espèce de déterminisme génétique qui se. Alors que finalement, les parents avaient obtenu bien plus que s'ils avaient su. Donc, il y a aussi ça, que ce soit la Vineland ou la génétique. Bien sûr que ça induit des limites. On n'est pas là en train de dire que voilà, l'enfant autiste sévère, il va devenir peut-être pas, je sais pas moi, orateur, mais peut-être que si d'ailleurs, hein, on n'en sait rien. Mais en tout cas, hein, surtout, plus c'est jeune, moins on est sûr de l'évolution. Hein. Mais voilà. Et donc il est important que justement, on se lance dans des objectifs, même quand il y a une déficience intellectuelle, même si elle est vraie. Même quand il y a des déficiences intellectuelles, on peut faire des objectifs. Il n'y a pas de déterminisme génétique ou de la Vineland ou d'autres tests de ce type-là. C'est ce que je disais au début. En plus, Oui, ne sachant pas qu'il était autiste sévère, ben, on a été moins bloqué. Tu vois, sur l'histoire du développement intellectuel, moi, quand j'ai. Enfin, voilà, je le vois fonctionner au quotidien. Je vois que, par exemple, une fois, on était chez mon père, et mon père avait voulu bloquer la porte pour qu'il ne monte pas dans les escaliers quand le petit avait 2 ans. Donc il avait mis en fait un bouchon de bouteille d'eau minérale sous la porte pour la bloquer, pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Et voilà, bon, mon fils, il va, il essaye de tirer sur la porte, il voit que ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé, il a vu qu'il y avait un bouchon, il a été chercher un double décimètre et il a viré le bouchon, il a grimpé dans les escaliers. Je me dis, attends. Ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qui n'a pas de ressources au niveau de son bon sens. On va pas parler de choses intellectuelles parce que des fois, on met aussi des drôles de choses là-dessous. Mais moi, je le vois, le concret. Voilà, s'il y a un objet qui marche pas, voilà, il va tout de suite l'observer, voir ce qui fait qu'il ne marche pas. Essayer de le réparer. Il va pas se mettre prioritairement à taper dessus ou à faire des choses. Il va taper sur le mur parce qu'il n'est pas content, parce qu'il est frustré, mais ça, c'est un autre problème. Ah, il suffit, désolé de la comparaison, mais il suffit de voir justement pour ce qu'on nomme les troubles du comportement, à quel point les personnes autistes peuvent faire des statistiques pour voir le truc qui peut le plus vous ennuyer et le plus attirer votre attention. Hein. Ah, je suis désolé, mais là, par exemple, si vous avez un masque, vous avez un peu peur du coronavirus, ils vont voir tout de suite ça, ils vont tester une fois et vous embêter tout le temps. Non mais voilà, par exemple, où vous avez, c'est plus bon qu'un, mais en tout cas, voilà, pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui vont vous faire que, finalement, voilà, cette notion d'intelligence, ça mériterait d'être réinterrogée. Oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit que finalement, la lecture aussi, est-ce peut-être... On pourrait aller là-dessus, va débloquer aussi d'autres choses dans l'autonomie. Oui. Oui.
qu'en fait, finalement, quand il va commencer à lire, du coup, il va être peut-être plus autonome sur certaines choses. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, alors, ben moi, c'est vrai que j'ai tendance à me focaliser sur ce qui est fonctionnel direct. Et je pense que c'est important aussi de travailler, je sais pas moi, la continence, le lavage des mains, ça c'est important. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est du scolaire, il faut qu'on se dise que voilà, il y a du scolaire qui peut être fonctionnel pour l'enfant à terme et qui va lui permettre, par exemple, de repérer où aller, de repérer voilà, de repérer des choses, les toilettes, de repérer savoir compter, ben, finalement, ça peut être aussi très fonctionnel. Ouais, là, tu vois, le fait de savoir lire, par exemple, j'ai des mangas. Ah bon? Par exemple, j'ai celui-là, Yotsuba. Et Yotsuba, je les ai lus avec lui. Parce que ça propose des choses ben, de la vie, de la vie réelle, faire les courses. À un moment donné, alors c'est pas dans celui-là, je vais pas. À un moment donné, Yotsuba. Son papa a fait de la peinture et du coup, pendant que son papa fait la sieste, elle va récupérer la peinture et repeindre la table et mettre de la peinture partout. Et du coup, mon fils, il était mais mort de rire. Il était là, oh, c'est pas bien, Yotsuba, que tu as fait. C'est pas bien. Oh là là, c'est grosse bêtise. Oh là là. Mais du coup, ça fait aussi. Alors du coup, on peut en discuter après. Pourquoi c'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire de la peinture tout seul quand on est un petit? Etc. Là, bah, Yotsuba, elle dessine sur la figure de son papa quand il fait la sieste. Là, pareil, il était écroulé. Hein, mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Là, bah, ils Ça font fait... les courses. Tu vois, alors, donc, du coup, faire les courses, voilà, on fait les courses, y a le chariot, je sais pas ce que je montre, là, mais voilà, il y a... après, ils font à manger, donc. Et ça, c'est quand même des choses que j'aurais pas pu faire avec lui. S'il n'avait pas su lire. Et puis ça a développé, enfin, l'attention conjointe a été développée au début, mais en même temps, ça augmente le temps d'attention conjointe. Ça permet de faire des scénarios sociaux aussi, peut-être. Ça permet de faire des BD, de lire des BD, effectivement, mais même des BD destinés à comprendre ce qu'il faut faire dans un endroit. Donc, un Mais c'est peu, ça. voilà. Voilà, pas forcément des BD classiques comme montre Mathilde, mais on peut aussi faire des BD nous-mêmes pour lui expliquer, ben voilà, tu vas aller à l'école, il va se passer ça, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va aider. Et puis, hein. Exprimer oralement ou par écrit, ou exprimer de toute façon communiquer, ça fait baisser ce qu'on nomme des fois les comportements agressifs, hein, comme je dis toujours. Essayer sans signes sociaux, de demander à manger, sans taper le frigo, sans taper, sans signes sociaux, sans oralité, sans lecture, sans écriture. Ben, vous allez voir comment vous allez faire. Donc, ça a aidé aussi ton fils peut-être à se plus, comment, même s'il est hyperactif, hein, à se à avoir des temps plus calmes, disons, d'attention. Oui. Après, voilà, il lit toujours pas tout seul par plaisir. Ça, il fait pas ça. Non. On lui a acheté des livres sur des choses qui lui plaisent, du genre la plomberie ou les toilettes. Mais voilà, il va les regarder, mais il va jamais se poser, ne serait-ce que 10 minutes, tout seul avec un livre. Ça, c'est même D'accord. pas en rêve, c'est de la science-fiction. Pour l'instant. Pouf, oui. Après, voilà, c'est pas. Il y a plein de gens qui lisent pas grand-chose et C'est qui arrivent exactement. à lire. Voilà, on va pas non plus lui demander de faire plus que la plupart de nos contemporains, hein, qui ne lisent statistiquement même pas un livre par an et par personne. Sachant que moi, j'en lis à peu près un par jour. C'est comme ça que tu fais augmenter la Mais statistique. c'est ça, en fait. Il doit y avoir 1% de clampins comme moi qui lisent un livre par jour et les autres, ils lisent rien de leur vie. Misère de sort. Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien, rien, rien. Donc, en fait, ça a sonné, mais je vais laisser. Du coup, c'est très intéressant là, ce qu'on vient un peu de développer. Est-ce que tu penses ajouter des choses ou est-ce que Je tu peux. réfléchis, mais non, non, là, je ne crois pas, parce que après, c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'ai faites, ben, de lui faire lire des publicités, de lui faire lire.
Mais ça, c'est des choses de la vie, en fait. Et quand vous avez un enfant pas autiste qui apprend à lire, vous le faites aussi, finalement. Enfin, je pense. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec ma fille. Parce que du coup, après, ma fille, forte de mon expérience avec mon fils, elle voulait apprendre à lire à l'âge de 4 ans. Je lui dis, hop, t'inquiète pas, j'ai appris à lire à ton frère maintenant. Je peux apprendre à lire aux cailloux des rivières maintenant. Puis du coup, je lui ai appris à lire en 3 semaines. C'était cool. Donc j'ai vu que ma méthode pouvait fonctionner. Voilà. Moi, Mais du coup, après, c'est pareil. Tu vois, avec n'importe quel enfant, bah, il va se promener au supermarché. Tu vas lui faire lire que c'est écrit Carrefour. Voilà. je vois, enfin bon, c'est mon fils, hein, mais on lui a pas appris à lire, mais en fait, on lui lisait des livres, et puis d'un coup, je sais plus, il y a un panneau, il commence à le lire, et je lui dis, bah, tu sais lire, et en fait, il savait lire quasiment tout. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est aussi l'idée qu'en fait, souvent, il faut faire de l'imprégnation aussi, hein. Hein, c'est très important, même pour un enfant autiste qui est effectivement, c'est pas parce qu'il sait pas lire, c'est comme l'imprégnation orale, hein, faut lui montrer l'intérêt de l'oralité, d'associer tel, même s'il sait pas lire, d'associer effectivement de la lecture à des choses, c'est très important. Oui. Après, c'est sûr que lui, voilà, parce que ben, à chaque... comme on avait notre enfant non-verbal, n'est-ce pas? Donc toujours le soupçon pesait sur nous. Hein. Est-ce qu'on le stimulait? Est-ce qu'il y avait des livres chez nous? Il doit y en avoir 3 000 des bouquins chez nous, estimation basse. Hein. On l'emmenait à la bibliothèque où il faisait que de hurler, mais bon, enfin voilà, c'était assez pénible d'entendre ça. Ah oui. Et j'en profite, voilà, pour dire que même s'ils sont dans un environnement où... Parce qu'après, par contre, notre fille, elle a commencé à parler très tôt, avec un langage très développé. Et là, du coup, les mêmes médecins qui nous accusaient de ne pas stimuler notre fils mettaient toute la réussite de notre deuxième enfant sur nos capacités cognitives. J'ai dit, ouais, on a pris des cours du soir entre les deux. Voilà. Enfin, Oui. D'un côté, t'es accusé de sous-stimuler ton enfant et de l'autre côté de le pousser à être un génie. bien, ils étaient. Mais du coup, franchement, je l'ai même mal pris parce que du coup, notre fille, ben, tout était facile pour elle. Ils disaient, oh, ben oui, c'est parce que vous avez un bon niveau intellectuel, blablabla, vous lisez des livres. Ah bon? Ben, pour notre fils, on lisait rien, puis on était à la limite d'être des cas sociaux. Ben, oh, un miracle s'est produit. En tout cas, hein, ce qu'on veut aussi faire passer, c'est qu'effectivement, hein, on travaille. Après, des fois, c'est plus long, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est important aussi, hein, parfois, il y a des objectifs, voilà, même au sein d'un accompagnement, qu'on abandonne parce que on voit que ça fait 6 mois qu'on travaille dessus et que ça ne produit rien. Ah, moi, Enfin, j'abandonne pas au bout de 6 mois, dis donc. J'abandonne au moins quand ça fait 3 ans que j'essaye. Hein. Et tu vois, oui, mais... les lacets, ça m'a pris tellement d'années. Et maintenant, il sait faire ses lacets comme qui rigole. Mais oui, c'est un exemple spécial. Oui, après, les 6 mois, on les fait payer aux parents, donc c'est pas la même chose. Faut aussi qu'ils soient renforcés dans l'intervention, si j'ose dire. Parce que moi, c'est moi qui le fais, donc du coup, c'est pas pareil. Ouais. Mais par contre, du coup, ça veut pas dire non plus que ce qu'on a fait ces 6 mois sont vraiment perdus. On sait pas. Peut-être que justement ces 6 mois ont préparé quand on reprendra l'objectif. Mais voilà, vous pouvez vous lancer aussi là-dedans, vous dire voilà, de toute façon ce qui est acquis, la reconnaissance des images, le fait de pouvoir faire des demandes, de pouvoir identifier, associer peut-être simplement un mot avec l'image, bah, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très importantes pour l'enfant autiste. Et qui va préparer ses demandes, ses reconnaissances, etc. Voilà. Est-ce que, voilà, après, voilà, merci vraiment pour ton témoignage, très encourageant, hein. Oui, même si j'ai dit un gros mot, je m'en veux un Voilà. peu. Je suis désolée, je ne recommencerai plus jamais jusqu'à la prochaine fois où je me cognerai l'oreille, l'orteil, pardon, ou la prochaine fois où un médecin me prendra de haut en disant que les femmes, ça s'inquiète tout le temps. Oui, allez, femmes, ça. Sérieusement.
Ouais. En tout cas, merci vraiment parce que c'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous donnera des idées. Je voulais dire qu'il y a effectivement quelque chose qui existe sur la lecture qui s'appelle Epsilon, mais qui est quand même assez cher. Hein, je suis désolé. Alors, voilà, c'est quand même au moins 800 ou 1200 euros pour globalement un enseignement Montessori. Par contre, je n'ai que des très bons échos, hein, mais c'est quand même un prix conséquent. Mais en attendant, effectivement, on peut aussi s'inspirer de plein de sites sur les élèves en difficulté, parce que finalement, il y a quand même pas mal de sites. On mettra des sites, hein, celui que tu m'as donné, et puis d'autres. Hein. Et puis, bah, je vous encourage à vraiment travailler aussi au travers peut-être peut-être des choses scolaires qui finalement apportent dans le fonctionnel de l'enfant. Oui, moi c'était vraiment mon but, hein. C'était pas le but d'en faire un prix Nobel de littérature. C'était le but qu'il arrive à mieux oraliser, à mettre les mots dans le bon ordre, les syllabes dans le bon ordre, les sons dans le bon ordre. Et puis voilà, même aujourd'hui, de temps en temps, quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, je prends ma chère ardoise et je lui écris la consigne, et quand il la voit à l'écrit, il comprend. C'est ça, finalement, il peut communiquer par écrit. Hein. Oui. Voilà, il communique mieux par écrit que par oral, C'est voilà, ça. pour ton fils. Hein. C'est ça. Donc c'est très intéressant puisque ça a développé sa communication, du coup. Oui. Et son autonomie Et et son autonomie, et son tout ça. Très bien, bah, je te remercie vraiment pour cette vidéo. Hein. Bon, on n'a pas sorti de petite blague aujourd'hui, ou très peu, mais... en forme. C'est le dimanche matin. Nous sommes fatigués de notre semaine. C'est Nous le ne matin, pas ça. sommes pas allés à notre association. Non. Il recommence. Bon, ah, ok. Et ben, en tout cas, merci à vous. Et puis, ben, j'espère que ça vous apportera beaucoup. Alors, pour finir, je ne sais plus comment tu dis. Oui, lâchez les pouces bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Merci à Non, vous. ça, sérieusement. Voilà. Sans rituel, hein, notre vidéo n'irait pas. Oui. Je serais tout peiné. C'est vrai. merci à vous. À bientôt. À bientôt.